Regarde-moi. You spin me right round, baby, right. Ah merde, je suis en haut, c'est vrai, je suis pas en bas. Allez à Frostburn Canyon. Jack, il sait sûrement gagner du temps. Oh, un peu. Quoi? Ah non, je sais pas. Tu disais une clé? Non, je vais la garder. Non, je vais la garder, je sais pas si... Il me regarde un peu plus que gros. Faut qu'on retourne au véhicule, mais je sais plus c'était où. Ah, y a aussi 12 000 quêtes au passage. Je sais pas si on peut les prendre. Ouais, rien à foutre. Justin. Merci, Chaka. Et donc on a trois armes maintenant, hein. Gauche, haut et bas. Oui, j'en ai pas encore mis là, sur la touche gauche. Ah bon, bah autant que tu le fasses maintenant. Non, mais je crois que j'en ai plus. Non, non, bah autant que tu le fasses maintenant. Non, c'était à droite. Non, tu vois, j'en ai... Ah oui, t'en as que deux. Dommage. Je vais attendre de récupérer une troisième. Attends. Pas récupérer un véhicule là. J'ai pas l'impression. Bon, on va marcher un petit peu. Allez. On se concentre. Et dis donc. Je t'emmerde. Et bah d'abord. C'est quand même un drôle de concept. Marcher sur la santé pour la ramasser. Ou marcher sur l'argent. Tu le piétines pour l'avoir. Parfait. Voilà, là par contre il y a un autolock. Allez, un chacun. Pire, c'est qu'on pourrait, mais je vois pas l'intérêt. Moi non plus. Allez, monte. Dit-il après avoir commencé à foutre les points. N'importe quoi. Cette envie de recharger alors qu'il n'y a pas besoin. Ah bah écoute, c'est pas pareil. Hein. C'est pas toi, hein. Ouais, bref. Ah, les gars. Qu'est-ce que... Ah c'est bon, tu t'es relevé. Je cherchais juste le guignol qui me tirait dessus. Si
et 8 armes à FPS. Bon, y a des munitions. Ah, mais ça suit. De quoi? Munition. Non. Mais ok. Bah tu regardes si ça te va et. Encore plein de munitions. Bah vas-y, prends-moi. Bah si je prends. Bon, ça marche. Ferme la pointe. Je sais pas si c'est une munition qu'il me faut, mais ok. C'est chiant de faire le ski là-dedans. Ouais. Bon. C'est le seul point négatif du jeu en fait. Eh bah c'est parti. Les pépettes. Ramasse les pépettes. Ah non, vite les coffres. Plutôt sympa le flingue. Quelque part par ici. Sois sur tes gardes. Après Jack, le faucon est la personne la plus dangereuse de cette planète. C'est à c'est bizarre. On dirait que les sans-pitié veulent attaquer le repère du faucon ardent. Ils ont sûrement laissé des indices pour guider les renforts. Ils devraient tenir jusqu'au faucon ardent. Ou sinon, tu n'as qu'à suivre les hurlements. Reste en dehors de ça, chasseur de l'arche. Ça se passe entre les sans-pitié et le faucon ardent. Lorsque mes gars l'auront ramené par la peau du derche, on le fera payer pour chaque sans-pitié qu'il a buté. L'ordure, on va le fouetter avec ses propres tripes. Merci pour tous ces détails. Tourelle installée. Mais d'où ils viennent tous ces tirs là? Ah d'accord, ils sont en haut. Presque le couillon là. Ah oui, le mec il se remballait avec une... Oui, oui. Quoi, c'est un pistolet pour toi, ça te fait. Ouais, et moi je vais ramasser un fusil à pompe. Tu prends le pistolet ou pas? Bah attends, t'es où toi? Bah juste là. Ah oui, j'arrive. Il y a un sniper. Bah attends, le fusil à pompe, je vais te le laisser là. Hop. Mais non, pas équipé. Défaussé, comment... c'est quoi le touche déjà? Jeter triangle, voilà. Je te le laisse là dans un coin. Et moi, je vais prendre le sniper, le flingue, un autre flingue, les munitions et les autres. Bon. Tu prends les autres munitions ou pas? Non. Bon, ben, yolo. Alors. Ah oui, d'accord, il m'a quand même filé.
Donc ça c'est 16 x 10, précision 46. Pour moins de cadence de tir, mais il a l'air mieux globalement. Alors celui-là. Quand il y a un viseur sur un bon fusil à pompe, c'est pas grave. Il y a des avantages. Bon, là, il y a encore des munitions. Moi aussi. Pour savoir quelle munition il y a à quoi, par contre. Je m'en rappelle plus. J'imagine que c'est ça pour le fusil. Ah d'accord, bah si, en fait je suis con. Quand je change d'arme, ils me le mettent. Donc, ma première, c'est la mitraillette, c'est cette munition. Et l'autre, c'est une espèce de cartouche plate. Qui n'est pas ici du coup. La munition de mitraillette, j'en ai plus que toi, ouais, donc prends celle-là. Ça, je sais pas, moi je m'en sers pas, donc c'est toi. Bah si, le truc tout plat, t'as pas dit que c'était ça qui te manquait à toi? Je sais pas, non, c'est pas la même icône, regarde, en bas à droite. Non, t'as raison, c'est pas la même. Mais bon, au moins comme ça, je commence à voir comment je le trie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je prends quand même. Ouais. Ça, c'est un fusil sniper, ça. Ouais, il a l'air pas très bien, enfin, en tout cas comparé à ses armes. Non, en plus les miens, ils sont mieux, ils mettent le feu. Je le prends quand même, on verra ce qu'on fait. De toute façon, il va me mettre à gauche alors. Au pire, tu peux le vendre. Ouais. Et vu que j'avais pas de troisième arme, il m'a mis à gauche. C'est surprenant. Le faucon ardent a déjà causé des ennuis aux sans-pitié, mais c'est la première fois qu'ils organisent une attaque aussi violente contre lui. Je me demande d'où leur vient cette confiance d'un seul coup. Sans-pitié en avant! On va lui faire regretter à cette... Wow. Oh, une salope. Wow. D'accord, il est pourri en fait le snipe. Il fait des tirs en rafale. Ah, mais j'en ai comme ça aussi. Ah, c'est peut-être celui que t'as jeté. Hein. Non, le truc que j'ai jeté, c'était un fusil à pompe. Non, avant, je veux dire. Lui il a bloqué. Pour lui. Attends, laisse-moi. Je suis là. Okay.
Ah, celle-là. Celle-là, la munition qui me tourne. Au fusil à pompe. Elle ressemble à ça, du coup. Ok. J'ai ouvert un truc, là, c'est parce que c'est des grenades. Là, il y a encore des caisses. Ouais, moi ça va, j'ai ce qu'il me faut. Second souffle alors que je suis en train de crever. Excuse-moi le jeu. Il est où mon second souffle là? Cramponne-toi! Je me suis fait arnaquer. Merde. Mais elle est rien. Ah oui, y'a un coffre. Ah bah tiens, t'as encore des munitions de fusil à pompe là. Parfait. Bien. Elles sont là. Maintenant je vais retenir au moins cette icône là parce que c'est la seule arme qu'on que t'as que toi qui utilise. Mais après si on est trop loin on s'en fout, on ramasse son bras et on verra plus tard. Si on est trop loin, on fait un bloc. Pas de raison. Tu penses que le faucon ardent a eu Roland? Tu sais, il paraît que le faucon boit les soucis à la purée de ventre. Mais t'inquiète, ce bandit de Roland. Évidemment, si Roland n'avait pas commencé à jouer au con, il... Oups, j'ai failli dire mon secret. Bah tiens. Ça attire les poupées en barbac, comme un camion de chasse attire les gamins. Là, c'est la haine. Mais quoi? C'est bon, il brûle celui-là, tu peux l'avoir. Oh, merde. Viens, je vais crever. Regarde-moi dans les yeux. Il a le tien. Soyons d'accord. Merde, la vache, il a lancé vachement loin. Ah non, c'est bon, elle est là. Non, mais c'est bon, t'inquiète, t'inquiète, ça va, moi. Des grenades. Tu veux que j'en gaspille? Moi je devrais pourtant. Enfin, moi je devrais genre attendre qu'ils se regroupent pour lancer mes grenades. Parce que j'ai plus si tu te souviens ce qu'elles font, mes grenades. Non. C'est des grenades qui créent des grenades qui créent des grenades. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça me servira bien à un moment donné. Contre les boss. Même si tu arrives à sauver Roland de ce fameux faucon armé. Esquive les coffres. Il y a pas de munitions. Voilà. Attends, non, attends, stop. À part celle-là, celle-là c'est pour moi le reste. Pendant que moi, je rigole. Souriez, vous êtes canardés. Continue, ma belle. Attends, regarde vite fait l'écran. C'est ces munitions-là qu'il me faut, moi. C'est les munitions pour sniper. Ok, bah vas-y. Et ça, c'est les munitions pour flingue, je crois, mais je le prends aussi. Bon, celle-là, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'autres, quoi. Pistolet, sniper. Ouais.
pète. Santé. Ah, t'as besoin de santé. Ouais, merci. J'allais le dire. On commence pas. Moi personnellement, les armes que j'ai pour l'instant me vont très bien. Ouais, non, moi, donc à moins que. Je m'en fous. Donc. Ah, merde. Attends, c'est quoi ça? Un autre fusil à pompe. Et puis 216, 4. Mais il n'y a plus tout. Voilà. Et ces deux trucs là, je prends des barres. Si tu veux, il y a un autre fusil à pompe là, un fusil à pompe normal. Le camp à smooth. La maman a toujours dit qu'il fallait être. Ça, c'est pistolet. Attends. D'accord, il a explosé le baril, c'est bon. Hop, je suis là. Tu me feras un débrief. Et je reprends ça. Nickel, en la ramassant. Mm-hmm. Ah bah tiens, pour toi, sniper. Where? Là, juste là. Merci. Mitraillette, merci. C'est pour moi. Ça c'est des grenades et ça je sais pas ce que c'est mais je le prends. Voilà où je viens de deux trucs pour toi. Sniper, sniper. Pour le marché noir. Hop, fusil à pompe ici. J'aime la précision des armes.
Donc dans le coffre là il y a des munitions pour toi. Il y a des masses de munitions de fusil pour moi. Je vois de la santé. Ah, un pistolet, moins bien. La santé pour toi, moi je vais juste prendre les pépettes. Ok. Parce que va savoir pourquoi t'as 10$ de plus que moi. Ah bon? J'ai acheté un truc de moins. Qu'est-ce que j'ai pu acheter pour 10$? C'est complètement con. Bah écoute, t'as peut-être acheté un truc qui fait 10$, t'as plus que ce que j'ai acheté. Ouais. Bah oui. Ouais. Ou alors c'est que je suis surpayé, c'est tout. Une grenade. Ah ouais, bien, t'as été engagé par un féministe enragé. Il paye plus la meuf, t'as vu? Qui sait. Réservoir de gaz, non merci, pas pour moi. Voilà, maintenant je suis. Ah mais non! T'es toujours. Je ramasse que de l'argent depuis tout à l'heure et t'as toujours plus d'argent que moi. Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe? Avantage aux femmes, bordel. Voilà, c'est ça. Ah bah j'ai trouvé un gros coffre. Il doit y avoir des pièges partout. Et là, je continue à fouiller, je récupère plus d'argent que toi, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Une grenade et une grenade. Bon, c'est ah, un flingue explosif. Provoque une explosion standard. Dégâts secs, dégâts par seconde, 56. Ok. Provoque une explosion de feu. Explosion standard, je m'en fous. Moi, je sais pas comment j'ai fait. Les grenades, je les ai trouvées dès le début. Elles sont géniales. Ouais, mais ça, les vertes là, elles ont l'air meilleures que les tiennes. Hein. C'est des grenades de feu, j'en ai rien à foutre. J'ai déjà assez de quoi. J'ai déjà largement de quoi brûler les gens là-dedans, moi. Bah, prends-les, toi, si tu veux. Ouais, justement, je regarde ce que j'ai en grenade là-dedans. Je vais jeter un truc. On va jeter ça. Ah non, si je jetais, c'est très bien. Ouais. Et je prends. J'ai cru voir un ennemi tout à l'heure, il est passé où? J'ai cru voir un chrominé. Ah, il est là. Wesh. Les chansons du monde. Oh, oui. Remise en question. Putain, mais c'est trop énorme. Un bruit, ça va. Et nous avons donc une mitraillette explosive ici, si tu veux. Moi j'en ai déjà une. Ouais, je sais pas. Bah prends-la au pire, de toute façon, moi j'ai largement de quoi revendre. Ah t'es plein toi? Oui. Bah ce qui arrive quand t'es trop payé. Bah tous les deux, parfait. Bah, le premier qui le tue ressuscite l'autre. Hein. Non, tu te démerdes. Et je suis mort. Ouais. Oh non, c'est quoi cette blague? J'ai appuyé sur carré. Bon. Un flingue et un fusil à pompe. Ouais, rien à foutre. Ah, il y a un coffre à côté de toi. Putain, je reviens. Où ça? Je suis pas par terre là à gauche. Message de côté. Au-delà, au-delà. Il y avait pas un coffre? Bah en tout cas il y en a pas. Bah non. Non. Ok. Donc je suis où moi? Je suis où? Bah à côté d'un coffre. Non. C'est parfait. Bon je prends tout le coffre. Et il faut que j'aille où? Celui-là fait moins de dégâts. Il est moins précis, mais il tire plus vite et il a plus gros chargeur. Ouais, vas-y, non, je garde celui-là.
Ah mais il y avait encore des sacs à merde. Parfait. À l'abri à peu près. Regarde si t'as pas des jetons de Brutas à dépenser. Ah oui, tiens, c'est vrai. J'avais oublié. T'es tout à droite. Déjà, là. À droite. Je sais pas. C'est écrit où? Ah, c'est en là. Merde. Je vois rien. Moi, je vais regarder aussi. Si j'en prends ici. Voilà. Ah, si l'entraînement avait été aussi simple que ça. Oh, moi j'en ai deux. Capacité, rechargement de bouclier. Je vais commencer à mettre des points là-dedans. C'est quoi déjà? Dégâts de coup critique et d'attaque au cac. Voilà, on va commencer à mettre des trucs en soin parce que sinon ça va pas le faire. Et merde, Brutas, t'es à côté. Ah bah t'en as pas. Ouais, écoute. Moi je booste ma tourelle, je vais booster que ma tourelle. Allez, on y va. Ah oui. Je suis mort avant un point de rêve. Oui. Bonsoir. Tu as senti ça? La mélodie des tremblements de terre accompagne mes foreuses qui se rapprochent de l'arche. C'est le son du progrès. Et oui. On touche une sans bouger l'autre, pour moi et pistolet. Bon, prends-les. Ça c'est une mitraillette que je prends. Survie! On t'attend ici, vous autres. Qu'est-ce que tu gères? Salut. 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 La faim? Les bandits me surnomment le Faucon Ardent, mais je m'appelle Lilith. Je suis avec les pillards comme toi. Je fais régner l'ordre chez les bandits pour que Roland puisse se concentrer sur Jack. Bref, longue histoire, grosse hémorragie interne. Tu peux me filer un coup de main? Et moi d'abord. J'ai besoin d'un petit remontant. Va me chercher de l'iridium, tu veux? Je dois en avoir dans un de ces coffres. C'est bon, je l'ai ramassé. Ouais, c'est ça. Tu veux bien m'en donner? Merci beaucoup. Mmh.
Merci. Je parie que tu cherches Roland, hein? Il est pas ici. Les sans-pitié l'ont capturé. Ils sont surexcités. Ils m'avaient jamais traqué comme ça. Ils sont dedans! Chopez-les! Je sens qu'on va se marrer. Je vais voir si je peux en désintégrer quelques-uns pour toi. Oh, il me faut une autre tête pour mon manège. La tienne est parfaite. Oh! Mais non, c'est ma tourelle qui fait le travail. Qui t'a mis dans la gueule. Prends des munitions, c'est pas encore fini. Policier contre la chair. Le pistolet ou pas? Il y en a deux en fait. Ils ont trouvé une autre entrée. Le feu, je m'en fous. Le explosif, je prends. Oui, mais je te conseillerais de prendre une arme explosive parce que quand l'explosion se déclenche, ça fait beaucoup plus de dégâts en plus. Ah, c'est des dégâts de feu, ok, autant pour moi. J'aurais bien un peu de vie, ce serait génial. Il y avait un truc de vie là-bas. Où ça? Là où les montagnes par terre. Ah oui, ok. Wow, t'avais pas vu toi. Merci.
Putain, brûle, salope. Beaucoup trop. Nouvelle phrase, je tourne en rond. Une fois que ma tourelle est prête, je relance. Ah, c'est qu'on le mission, c'est qu'on le mission. Je me serre les dents. Voilà, une tourelle. Ah, t'es là. Ok. On s'ennuie pas. Je suis un peu vidé quand même. Tu peux me filer une autre dose d'iridium ? De l'iridium. Voilà, j'ai un vite. Peu mieux, meilleur comme bouclier là, c'est pas mal. Mais attends, je vais chercher l'iridium. Vas-y, vas-y. Je suis un bouclier, voir ce que ça fait, une mitraillette. Moins de précision pour. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu veux bien m'en donner ? Oui, ben... Oh, merci. Explose comme une grenade une fois rechargée. Ah oui, c'est fun ça, je me souviens. Tu le prends, je le prends. Vas-y, prends-le, moi je te dis ça va, je compte pas changer de flingue pour l'instant. Oui, depuis que l'arche a été ouverte, mes pouvoirs de sirène sont un peu bizarres, grâce à ce truc-là, l'iridium. Je sais pas pourquoi. Bon. Et si on s'occupait de sauver mon fiancé ? Ça vaut le coup de s'entraîner. Voilà. Ah ouais, j'ai un jeton. Précision et augmente étant la. Voilà. Donc c'est ça, je prends tous les trucs pour la tourelle en fait. Le reste, j'en ai rien à foutre. Ah, mais du coup, là, ça aurait été une bonne occasion pour lancer les grenades, par exemple. Pas faux. Mais j'ai pas pensé. Enfin, et puis en plus, si je ne m'abuse. Avant de se faire choper par les sans-pitié, Roland récoltait des informations sur l'arche et sur les projets de Jack. Tu dois le retrouver. Moi, je vais retourner à Sanctuary, faire en sorte que la ville n'implose pas en l'absence de Roland. Mais d'abord, je vais te téléporter à Bloodshot Stronghold. C'est là que les sans-pitié gardent Roland. Tu auras l'avantage de la surprise. Ça va être tip-top. Bouge pas. Ok, merci. Ouais, mais je bouge quand même. Bouge pas et tu vois les deux. Un peu l'esprit de contradiction, les deux héros là. Hein. 3 mètres, pas du tout. C'est ça ? Désolée, je ne maîtrise pas encore tous ces pouvoirs. De toute façon, à Bloodshot Stronghold, c'est pas détendre. Tu ferais peut-être mieux de t'entraîner avant de te frotter à eux. Et au fait, tu t'en sors drôlement bien. Continue comme ça. Merci, on est mort que deux fois. C'est ça. Alors voyons, mitraillette. Ah merde, j'ai pris les fusils à pompe. Fuck. Sniper. Mitraillette. Tiens, je te laisse un truc de mitraillette. Ok. J'ai trouvé des rigoles. Merde, j'ai pris la support. Allez, c'est une balle de sniper. Ah! C'est plus bête. Ah mais par contre on partage le fric, c'est pour ça que t'as toujours plus, peu importe ce que je ramasse. Ah non là c'est moi qui ai plus. Ça se trouve peut-être que quand on meurt du coup l'argent n'est plus partagé. Non. Oh fusil à pompe. Sniper, j'ai déjà mieux, et fusil à pompe j'en veux pas. Fusil à pompe du coup... T'as besoin de 3, or... De mission de fusil à pompe ici, moi je vais prendre ça et puis ça. Bouf. Bah moi je prends le fusil à pompe. Ah bah je veux pas.
Alors, je vais balancer quelque chose. Bon, franchement, j'hésite parce que. Bon, non, je vais garder le mien pour l'instant. J'avais pas un vendeur pour tant pis. Oh! Bah! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avec Poski, vous faites un A. J'ai pas compris. Faites un A. Et voilà, très joli. A. Ma maman va être dans une de ses rats. Calmez. Ah oui d'accord, puis je jette mon arme à chaque fois. Oui c'est ça. C'est vrai. Merci. Pas sentir bien. Ok, racontez-moi tout. Oh, le beau coffre. Ah, il est sous. Attends, c'est pas par là qu'il faut qu'on aille. Non mais si, je sais pourquoi j'ai perdu des sous. Enfin, pourquoi. Pourquoi on a une différence, parce que je suis mort plusieurs fois. Ah tu oui. Tu ressuscites, tu perds des sous. Oui, c'est vrai. Ça. Moi aussi. En fait, c'est juste là. Et là, du coup, on peut. On a du. Prix très bas et aucune question. Je ne sais plus quoi faire de ton argent. Je ne sais plus quoi faire de ton argent. Merci. Ah, j'ai oublié ces grenades. Que ça te protège dans tes. Il y a des points du niveau. C'est peut-être celle-là qu'il faut garder en fait. Ah oui d'accord. Ça est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ah
je me demandais pourquoi j'avais si peu de santé. C'est parce que j'ai un. Ah bah non, non, ça c'est parce que j'ai là. Parce que là, il y a des boucliers qui te donnent plus de boucliers, mais qui réduisent ta santé. Mmh. C'est les boucliers pangolins. C'est quoi ça? C'est un audio. Oublie pas, on est toujours ouvert. Amuse-toi bien, Charles. Et alors? Ah ça, c'était la grenade que je viens de lancer. Oui, j'ai vu. Ah, c'est pour que, parce que t'avais l'air de te demander ce qu'elles faisaient mes grenades. Non mais j'ai vu tout à l'heure que t'en avais balancé une en face, je l'ai explosé. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson d'Axel Bauer dans la tête. Ok. J'ai cette machine dans ma tête. D'accord, ça y est. Je sais pas d'où elle sort. De fait. Mais je sais où elle est arrivée. La dame nous a proposé de prendre une bragno. Oh non. Bah si. Allez, viens. Aïe. Comment ça? Aïe, genre t'as eu mal. Oui, regarde, j'ai un hématome, il y a un trou dans ma tête. Ah non, c'est normal. Écosystème, je ne connais pas ce Pokémon. Ah. De toute façon, l'écosystème du Pandore. Thank you.
oui, ça. Ah, bon. Je vais pas te dépenser. Le véhicule commence à marcher. Ouais. Non, vraiment désolé. Ça a l'air vachement désolé. Bon, ouais. Un peu quoi, quand même. Ouais. Pardon. Je suis asthmatique. Quoi? Non, c'est dans le genre du grenier sur Grotier Dracosaurus où tu mets, oui, alors tu souffles violemment sur les gens pour les tuer. Ah oui. Et puis tu vois, pff, désolé, pff, pardon, avec un flingue. Pff. Qu'est-ce que vous faites? Je suis asthmatique. Ouais, pas grand monde, on dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Ouais. J'ai pas le... Ah non, on a plus de billets déjà. Pourquoi? Viens me voir, petit chanson. Attention, amigo. Continue à tirer. Merci bien. Ah oui, c'est ça, je me souviens de ça. Je crois qu'on s'était arrêté après ça avec mon pote, c'était qu'il fallait customiser la bagnole pour qu'elle ressemble à une bagnole des bandits. Voilà. Bah tu vas rien, mais je crois qu'on est pas supposé rester là. Bah écoute, résiste tout ce que tu dis, hein. Ouais. Je vais essayer. Merde. Diantre. En plus, au moment où tout était fini, c'est parfait. Ah bah celle-là, je réapparais juste là. Ah non, c'est trop loin. Hyperion souhaite vous rappeler qu'en utilisant cette station de Yu-Yu, oh. Vous avez quoi? Renoncé à procréer. Pardon. Bonus de dégâts explosifs. Bah viens. Ah, attends, j'ai ramassé des coups. Santé, c'est bon, plus rien. Vu l'arcadia, je pense qu'on va arrêter là. Ok. Enfin, je vais juste voir l'arme que j'ai récupéré, je vais la changer peut-être. Non, de toute façon tu peux pas l'utiliser. Ah merde. Pour l'instant. Attends.